Hier, la qualité de l'air était médiocre, mais aujourd'hui, elle est bonne. On le sait grâce à des mesures quotidiennes précises. Juste pour l'Île-de-France, il y a 68 stations qui mesurent le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone et les particules. Et quand l'air est médiocre, on le sait. Et certains resteront chez eux. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, l'air est encore 5 à 10 fois plus pollué. C'est une moyenne, bien sûr, mais il n'existe aucune réglementation à respecter et nous passons 80% de notre temps à l'intérieur. Il était donc urgent que l'État lance en 2009 une campagne nationale de mesures dans les lieux recevant du public et notamment dans les crèches et écoles. Ces mesures s'achèveront en 2011. Elles concernent le benzène, le formaldéhyde, deux substances cancérogènes classées hautement prioritaires et le CO2 pour obtenir un indice de confinement. Air Parif commente les premiers résultats pour la région Île-de-France. On peut commencer par le formaldéhyde, donc qui est un polluant spécifique à l'air intérieur. Donc sur les mesures que nous avons effectuées, on a toutes les concentrations estimées au niveau annuel qui sont inférieures à 30 microgrammes par mètre cube, qui est la valeur repère définie par le Haut Conseil en santé publique. Donc, pour les 20 établissements mesurés, apparemment pas de problème de formaldéhyde. Ces résultats s'obtiennent après une semaine de mesures en hiver et une autre en été, hors période scolaire. Le formaldéhyde provient essentiellement de produits de construction, de décoration, d'entretien ou d'hygiène. Mais la spécificité en Île-de-France, c'est le benzène. On a plus de 75% des établissements qui prennent une concentration moyenne annuelle estimée entre 2 et 5 microgrammes par mètre cube. C'est plus que ce qu'on retrouve au niveau national. Ça s'explique par en fait les niveaux extérieurs en benzène qui sont plus élevés dans l'agglomération parisienne. Ces résultats ne sont pas alarmants. Aucun établissement ne dépasse la valeur repère de 5 microgrammes par mètre cube. Dernière mesure, le confinement réalisé à l'aide de ce boîtier qui enregistre la concentration de CO2. Et les résultats sont plus préoccupants. Un tiers des établissements en Île-de-France qui ont un indice de confinement supérieur à 3 dans au moins une classe, ce qui correspond à un confinement élevé. En cause, une mauvaise aération des pièces et il n'est pas évident d'ouvrir les fenêtres en hiver. C'est donc la ventilation qui serait à revoir. En France, un peu plus de 300 établissements sont concernés par ces mesures. Un petit échantillon. Pourtant, il suffira pour établir une réglementation qui rendra obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Ensuite, ce qui est prévu, qui est en train d'être discuté sur la mise en place obligatoire de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans ces lieux, c'est éventuellement une peine d'amende pour ceux qui ne feraient pas cette surveillance ou pour les organismes qui ne suivraient pas l'accréditation, par exemple, qui sera mise en place pour faire ces prédiagnostics bâtiments, les prélèvements et les analyses de qualité de l'air intérieur. Les responsables d'établissements sont donc prévenus. Ils auront à leur disposition toutes les informations nécessaires pour agir. Reste à connaître le coût de cette nouvelle obligation.